Bon, bah moi, je vous le dis, j'ai la trouille. La trouille? Ben, oui, parce que là, c'est le moment où ça... Ça vous fout la trouille? Ben, écoutez, je connais pas vraiment le détail, mais j'en sais assez pour avoir la trouille, en tout cas. Eh ben, on fait pas, ça fait rien. Comment? Dites, vous avez la trouille, si vous avez la trouille, on fait pas. Faire quoi? Bah rien, justement. C'est bien ce qu'on veut, hein. On est à la tête du pays, je vous rappelle. Mais il faut pas faire un héritier, là, ou je sais pas quoi. Un héritier, on va faire bien ça une autre fois, hein, vous savez. Mais alors, on fait rien. Ben, du coup, ça va, on est rassuré. Ah bah, oui. Ou alors on le fait, hein, comme ça on est débarrassé. Ah oui, mais non, moi je peux pas. Non, je peux pas maintenant que je sais que vous avez pas envie. Mais je pourrais peut-être avoir envie. Vous n'avez pas envie d'un truc, vous savez pas ce que c'est. Mais je pourrais avoir envie de savoir ce que c'est. Mais moi ça m'a coupé les jambes de savoir que vous aviez la trouille, vous comprenez. Maintenant il faut que, voilà, il faut que je réfléchisse un peu. Il faut que je me pose, voilà. Vraiment prêt à faire ça avec quelqu'un qui, de son côté, a la trouille. Vous comprenez? Ah, mais oui, je suis désolée. Non, il n'y a pas de mal. On dort alors? Comme vous voulez. Ou alors on discute? Comme vous voulez. Bah, on pourrait discuter? Hein? Par exemple. Avant de me marier avec vous, hein, il a fallu que je révise toute la généalogie de la famille de mon père, pour bien la connaître. Alors, déjà il y a mon père, hein, ça, voilà. Et voilà. Parfait, et bah écoutez, on dort. Hein. Ah non, mais j'ai pas fini. Ah pardon, je croyais, j'avais entendu votre prière. Oui, mais vous finirez demain, c'est pas grave. Ah bon? Bah oui, parce que... Si vous voulez, j'ai un petit peu peur que vos parents nous entendent, en fait, discuter. Mais comme on est carrément censé faire autre chose, vous voyez. Voilà. Oui. C'est ça.